Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le ZT102. Bon, je vais vous le présenter très rapidement, hein. Pas non plus abusé, mais vous saurez un petit peu. Donc ZT102, c'est un multimètre. C'est livré avec les pins, la petite pochette qui va bien, hein, toute jolie. Alors ça, c'était le modèle avec le qui peut prendre la température. Donc a priori, c'est avec ces pins là qu'on pourra prendre la température. Et puis il y a un petit livret qui est fourni avec. Donc on va faire un test très rapide. Donc pour tester des piles, bon, il y a même les petits capuchons pour pas abîmer les pins. Pif paf pouf. Tac, tac. Donc on va juste faire, on va se mettre en voltage, hein, voilà, puisque c'est mis comme ça. Je pense que si on appuie là, non, c'est une connerie. Si je reste appuyé, peut-être. Voilà, ça fait la lumière, hein, bon, dans la nuit, super. Les chiffres sont bien gros, c'est parfait. Donc je vais juste vous montrer l'utilité qu'on peut en avoir. Il y en a des millions, mais voilà déjà. Avant de jeter toutes ces piles, on fait comme ça. Regardez avant. Voilà. Donc celle-ci, ben, à 58. Et ben, voilà, c'est tout. Puis on peut essayer même, voilà, les batteries, petites batteries de drone, par exemple. On va faire comme ça. Tac. Hop. Bon, vous voyez bien. Et donc ça doit se faire entre. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. 4 volts, 0. Bon, c'est bon. Elles sont bonnes. Voilà. C'était présentation rapide du multimètre ZT102. Bye bye.